Beaucoup, mes belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi. J'espère que vous allez très très bien. Certains d'entre vous sont en vacances actuellement. C'est mon cas par exemple. Mais vous voyez, ça ne m'empêche pas de vous faire une petite vidéo pour vous présenter un magnifique coffret que j'ai reçu des éditions Trajectoire, qui est un coffret qui s'appelle Les Runes. C'est un coffret qui contient un livre et 25 runes en agate. Voilà, on va les découvrir ensemble, on va voir un petit peu euh, comment est constitué ce coffret. Vous allez voir qu'il est très très beau. Moi, j'aime beaucoup, en plus, le livret qui accompagne euh, ces runes. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de les utiliser et qui ne savent pas comment les utiliser, eh bien là, l'auteur vous explique tout. Alors justement, en parlant de l'auteur, de qui s'agit-il Alors, évidemment, Christine. Elle a mis le couvercle à l'envers parce que forcément avant de vous le présenter vous imaginez bien que je le consulte un petit peu quand même pour voir comment il est comment il est, comment il se constitue, euh, que je sache un petit peu de quoi vous comment vous parler et de quoi ça parle quand même que j'ai pas l'air de débarquer comme on dit. Alors je vais le remettre à l'endroit. Donc l'auteur euh, c'est Bruno Liévin, voilà, qui est spécialiste. Euh, dans euh, cette divination des runes. Donc voilà comment se présente le livret en noir et blanc. On le regarde après et on va regarder tout de suite eh bien, euh, les runes. Alors là, vous avez donc un coffret, vous voyez, avec ce petit fond que vous pouvez retirer si vous le souhaitez. Vous avez le sachet de runes à l'intérieur. Alors c'est un beau coffret hein, d'une bonne épaisseur, vous voyez. Là, je vous montre le fond, enfin en tout cas le, la boîte du dessus. Et on va lire quand même ce que nous dit le dos de la boîte. Les runes, cet antique alphabet viking, sont l'un des supports de divination les plus méconnus et pourtant les plus efficaces. Bruno Liévin dévoile ici tous les secrets de cet art oublié. D'où viennent les runes Comment les utiliser et les interpréter Quel est leur pouvoir de talisman Avec son mode d'emploi précis, découvrez ce que les runes révèlent au plan professionnel, sentimental, psychologique, et apprenez comment les runes peuvent devenir un solide moyen de protection contre l'adversité. Les 25 runes de ce coffret sont gravées dans de véritables agates blanches naturelles et vous permettront de procéder directement à vos tirages divinatoires. Grâce à cette sagesse plurimillénaire, retrouvez l'harmonie avec les forces naturelles et occultes qui guident votre vie. Voilà, donc coffret de 26 euros. Euh, donc aux éditions Trajectoire, je remercie Florence qui m'a envoyé ce joli coffret et qui me fait confiance pour vous le présenter. Voilà, alors on découvre les belles runes donc, dans les... Gravées dans les acates gâtes blanches. Donc vous voyez que c'est livré avec ce petit sachet satin dans lequel vous pouvez les ranger pour les protéger. Donc voici les runes gravées, comme vous pouvez le voir. D'accord? Bon là, rien d'exceptionnel pour ceux qui connaissent les runes. Elles peuvent être gravées sur du bois, elles peuvent être gravées sur des pierres, sur des coquillages, vous pouvez même vous les faire vous, hein. vous allez récupérer des petits. Euh, des petites pierres dans la nature, au bord de l'eau, etc. Puis vous vous faites votre petit jeu de, de runes. Euh, ça peut être le cas aussi. Hein. Voilà. Euh, donc ça, ce sont euh, Allez, les runes gravées sur les agates. Et maintenant, on découvre le petit livret. Et je vous fais un petit peu le détail de ce beau livret que vous voyez qui est bien fourni. Alors, tout d'abord, bon, les pages de garde, on a l'habitude. Je vais un petit peu éloigner. Voilà, pour que vous puissiez bien voir le livre. Donc l'origine des, ru des runes, bien entendu, euh, d'où elles viennent, où elles sont nées. Donc apparemment, pour certains, elles seraient nées sur les bords de la Méditerranée près de dix siècles avant notre ère. Conclusion tirée de l'analogie de certains caractères runiques avec ceux d'un ancien alphab alphabet grec pour d'autres elles dateraient du début de notre ère, pour d'autres encore elles seraient apparues après l'invasion romaine de la germanie. Euh, donc voilà, donc ça se querelle un petit peu pour savoir d'où vient euh, d'où viennent les runes. En tout cas, euh, si, euh, si vous connaissez un petit peu euh, l'histoire des Vikings, vous savez que eh bien euh, chez les Vikings, elles étaient utilisées déjà à l'époque. Si vous avez regardé la série Viking que j'ai adoré moi personnellement sur Netflix. Je fais un peu d'appui pour Netflix, euh, je n'ai aucun intérêt avec Netflix, je vous rassure. Mais euh, voilà, donc euh, si vous avez envie de regarder cette série, c'est bien parce que bon, au-delà du fait que vous apprenez un petit peu l'histoire des Vikings, euh, vous apprenez quand même beaucoup de choses sur sur leur leur comment dire leur spiritualité puisqu'à l'époque vraiment les dieux étaient vénérés et tout ce qu'on faisait, chaque acte euh, se rapportait euh, avait avait toute façon un lien avec le avec les dieux. Et donc vous avez surtout euh, Odin qui est le père de tout euh, pour les vikings. Donc la légende attribue la découverte des runes à Odin qui les aurait livrées aux hommes. On peut plus prosaïquement penser qu'en ces, ces temps anciens, comme le suggère succinctement le dictionnaire des religions, le langage des runes était celui des prêtres païens. Voilà. Donc l'alphabet runique a été beaucoup... Euh, voilà, c'est assez controversé. Il y a beaucoup de... de, de on ne sait pas trop de quand ça date. Euh, voilà, c'est ce que vous explique euh, l'auteur. Ici, vous avez donc l'alphabet runique avec Word qui est une pierre blanche. Ensuite, on vous parle de, des tirages, comment tirer avec les runes. Donc elles sont euh, généralement traditionnellement mises dans un petit sac, d'où on les tire une par une. La méthode ancestrale consiste à jeter les runes sur un tissu blanc et à interpréter que celles dont la face gravée est visible. Plusieurs modes de tirage peuvent être utilisés. Donc là, ici, l'auteur vous propose plusieurs tirages. Vous avez le tirage en croix, le tirage simplifié et ensuite... Non, il n'y en a que deux je pensais qu'un a... oui le tirage par maison il me semblait bien le tirage par maison alors ce qui est bien c'est que l'auteur là vous a vraiment détaillé donc là il vous donne un exemple avec une question et comment du coup il va interpréter euh, le tirage d'accord donc là on fait référence aux douze maisons de, que vous pouvez également tirage, trouver par dans la série. vous allez vous amuser à faire votre petit euh, cercle avec douze portions qui vont représenter les douze maisons vous allez, euh, sans poser de questions, vous allez tirer 12 runes et que vous allez poser sur chacune des maisons. Et vous voyez que sur chacune des maisons, eh bien, vous saurez euh, dans quel, quel domaine cela concerne. Voilà l'avantage de ce, de ce tirage, on va dire, c'est qu'il n'y a pas aucune influence, puisqu'on ne pose pas de questions. Et vraiment, on dresse un bilan général euh, sans déterminer euh, de questions. D'accord alors donc, là par exemple, on vous donne un exemple et on vous donne un exemple de réponse. Attendez, j'ai poussé la boîte là qui me gêne pour vous présenter le livre correctement. Ensuite, vous avez la signification des runes euh, avec euh, un OET. Je ne sais pas si je le prononce bien, désolé si l'auteur me regarde et que je l'ai mal prononcé. Donc vous avez plusieurs OET. Euh, qui concerne euh, un ensemble de huit runes. Donc là, cette ouette, par exemple, euh, concerne ces, ruines, ces euh, huit runes, pardon, c'est difficile à dire, euh, qui, corresp bien, qui correspond au bien de ce monde, ainsi qu'à ce qui est dans la nature humaine, la joie, l'amour, le couple, le travail. Ces runes parlent du présent et de l'avenir très proche. Elles s'adressent à celui qui cherche à résoudre ses problèmes immédiats. Donc ouette veut dire huit, hein, apparemment. Huit runes. Donc après, on vous détaille donc les fameuses huit runes de Féu. Donc Féu, Uruz, Turiaz, etc. Donc là, vous avez la couleur qui, rep... qui, euh... qui est associée, le végétal associé, l'arbre, le minéral et l'animal. Donc vous avez après le sens premier de la rune, la sym... le symbolisme le sens divinatoire au niveau professionnel, sentimental et, et psychologique. Donc vous voyez, vous avez vraiment tout le détail. Euh, L'auteur euh, vous, vous facilite vraiment, vraiment la tâche. Et vous avez ceci pour toutes les runes. Donc après, une fois qu'on a passé les huit runes de féu, on va passer au suivant. Mm -hmm. Voilà, et là on est sur l'ouet d'Agalaz avec à nouveau... Les huit runes, et là on vous dit qu'on est plutôt dans le monde. Divin avec ses punitions, ses récompenses, ses mises à l'épreuve, autant fait eu représenter ce qui nous touche de près que nous pouvons maîtriser, autant nous sommes prisonniers des décisions d'Agalaz. Avec cette oette, nous avons du mal à gérer la notion du temps lorsqu'une de ces runes est tirée. Le temps est fonction de l'attitude de consultant face aux perspectives de changement. Il faudra donc s'attacher à la signification psychologique de la rune pour pouvoir lui venir en aide. Donc vous avez encore les huit runes. Concernant l'ouette d'Agalaz. Ensuite, on passe à l'ouette de Tiwaz. Et puis, on va y arriver. Et puis, je crois que c'est tout. De toute façon, on a fait quoi là Voilà, Tiwaz, c'est le dernier. Hein Donc, de toute façon, 3 x 8, 24. Et donc, il reste la 25e rune qui n'a pas de euh, signe sur elle. Donc ensuite, l'interprétation des runes. Vous avez des exemples d'interprétation. Ça, c'est génial. On vous donne plein de conseils, plein de d'exemples de, pour vraiment que vous vous familiarisez avec les runes. Donc, vous avez la position droite, la position renversée, euh, des exemples de tirage, voyez, avec les réponses, les, la démarche d'interprétation, etc., etc., donc vraiment beaucoup d'exemples pour vous aider et vous faciliter euh, eh bien, le travail de, 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 de compréhension de ces rudes runes. Et ensuite, vous avez euh, eh bien, un petit, euh, un, une petite histoire sur la légende de Ragnarok, euh, si vous connaissez un petit peu euh, ce qui s'est passé pendant, enfin en tout cas ce qu'on raconte, ce qui s'est passé pendant Ragnarok. Voilà, donc un joli coffret qui va vous aider vraiment si vous êtes attiré par toute cette, euh, cette, cette culture païenne, cette culture viking. Euh, mes petits angelots se sont regroupés, je vous les montre, ils sont là, regardez, ils sont. Tout nouveau euh, donc voilà si vraiment vous êtes attiré par par cette culture et eh bien je vous invite à acheter ce coffret parce que je trouve qu'il est vraiment très complet euh, il nous aide vraiment à interpréter les runes et à comprendre leur sens à faire certains tirages voilà et comme vous dit l'auteur vraiment c'est de la divination et là on a vraiment euh, euh, des réponses euh, posées euh, enfin des réponses à nos questions posées voilà J'espère que cette présentation vous a plu, qu'elle vous a donné envie de l'acheter. Je vous remets les runes à côté, voilà. Je trouve en plus que dans, sur ce blanc, elles sont magnifiques. Donc je vous rappelle un coffret, les runes. L'auteur est Bruno Liévin. Vous pouvez le trouver aux éditions Trajectoire. Et donc, c'est de la divination et protection à la portée de tous. Oui, parce qu'en plus, vous pouvez prendre ces runes, euh, et les garder comme talisman, comme protection. Donc voilà, il y a plein de choses dans ce livre vraiment que vous allez découvrir. Je suis sûre que ça va vous plaire. Je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances. Je reviendrai pour d'autres vidéos. Je n'ai pas oublié non plus le concours, il faut que je m'en occupe. Mais de toute façon, ça sera fait, ne vous inquiétez pas. Mais comme euh, voilà, je suis aussi en vacances, je prends aussi le temps pour moi, pour un petit peu m'occuper de moi. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.